principaux, salut les Fit Girls, la team Tomate, j'espère que vous allez bien pour ce dernier jour du programme Aime ton corps spécial confinement. C'est dingue de se dire qu'on est déjà bien en dernier jour, c'est incroyable. Mais bon, comment ça va vous? Comment s'est passée votre journée tout simplement? Dites-moi tout, je suis curieuse. Alors... Tac, attendez, je vous mets mieux parce que je ne vous vois pas bien là. Voilà. Hop. Bonjour. Salut Chloé, salut Morrigane. Salut Adélaïde, salut Océane. Salut Mélissa. Hello Ludivine. Salut Heidi, salut Julie, salut Mélanie. Salut Kathleen, salut Estelle, salut Sabrina, salut Laetitia, oui, last one I know, mais juste cette série, ne vous inquiétez pas. Salut, alors attendez, j'étais où? Elodie, Pauline, Bérénice, Elodie, Danelle, Marine, Marie, Alban, Céline, Monia, Jennifer, Charlotte, Céline, je me sens bien aujourd'hui, je suis restée enfermée dans notre petit bus toute la journée, je vous avouerai, parce qu'il faisait pas très beau ici. Ouais voilà, puis ici également. Oui, c'est passé trop vite. Vous imaginez, ça fait déjà 4 semaines qu'on se voit tous les jours. C'est assez dingue quand même, c'est assez dingue. Alors pour la séance d'aujourd'hui, ce qu'il va vous falloir, c'est donc un tapis de yoga. On ne va pas faire une séance de yoga en soi, on va faire plus du stretching du corps entier, inspiré par le yoga, mais venant bien évidemment de la danse, comme toujours. Je ne suis pas instructrice de yoga, donc voilà, c'est juste le flow duquel je me suis inspirée. Pluie en Auvergne, oh, mais c'est dingue, il y a de la pluie partout, il fait beau partout en même temps, il y a de la pluie partout. Chez moi aussi, il fait super beau depuis 2-3 jours à Bordeaux. Ah ben non, ben à Bordeaux apparemment il fait beau, vous avez de la chance. Oui, c'est vraiment passé trop vite. Alors, j'ai également vu tous vos messages concernant le groupe Facebook. Donc, vous savez quoi? Je me suis dit qu'on allait le créer ensemble. À la fin de ce cours, ne partez pas parce qu'on créera le groupe tous ensemble en direct. Comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous voulez exactement dedans. On va tous pouvoir se présenter à l'intérieur et ça va être sympa. Et on pourra faire continuer à vivre cette communauté que j'adore. Pluie et orage en Gironde. Il pleut dans le nord aujourd'hui. Nous, un peu de soleil avec des averses. Journée ensoleillée au Liban. Ah, le Liban. Le Liban est parmi nous. Yes. Je voulais te demander s'il y avait des conseils pour la séance pour les personnes bloquées au cou et le haut du dos. Oulala, Ilona, alors fais très attention. Si tu es bloqué, effectivement, il va falloir vraiment, il ne faut surtout pas trop tirer. Il faut vraiment travailler très doucement. Il faut commencer... Continue à étirer un petit peu dessus, mais surtout pas à tirer parce que tu peux faire craquer les choses. Donc, vas-y, très doucement. C'est le cas pour toi aujourd'hui. Super, ok. Salut la Belgique. Alors, est-ce que vous êtes tous prêtes pour débuter cette séance? Dites-moi tout. Le début, on va faire un petit peu étirement et on va aussi travailler un peu façon danse. Vous allez voir, on va faire quelques petits pliés, on va travailler les mollets, tout ça. Et après, la deuxième partie, ce sera vraiment au sol, relâché. Et on va pouvoir relâcher toutes les toxines, tous les stress du confinement. Je ne sais pas si vous avez suivi le direct avec Edouard Philippe. Moi, oui, tout à l'heure. On se rapproche d'un déconfinement peu à peu. Je ne sais pas comment est le moral, mais en tout cas, gardez-le. Parce qu'on s'en rapproche et tous ensemble on est plus fort, n'est-ce pas? Génial, le groupe ça peut être chouette, ouais, effectivement. Ok, bon, bah écoutez, vous m'avez l'air prête. Ce que je vais faire, étant donné que je ne vais pas beaucoup bouger, c'est que je vous prends avec moi. Hop, j'ai ma musique ici. Je vous mets à côté de moi, comme ça je peux continuer à lire. Moi, j'ai mal à une jambe depuis 2 jours. Alors encore une fois, ah bon, t'as mal Davina? Qu'est-ce que tu t'es fait? Un peu en retard Marie-Aimée, c'est pas très grave, on n'a pas encore commencé, on commence maintenant, donc il n'y a pas de souci. Bérénice, l'idée du groupe, alors je redirai tout ça juste après séance, ok? C'est simplement un groupe Facebook qu'on va créer ensemble pour pouvoir continuer à discuter, à échanger et à se motiver après ce programme spécial confinement, parce que bien évidemment il y a d'autres programmes qui vont arriver. Ok, alors c'est parti, je vais mettre la petite musique.
bien évidemment, n'étirez pas trop. L'idée, c'est de se relâcher, de se déstresser. Et on va aussi également travailler les respirations, les inspirations. Donc vraiment, prenez votre temps, c'est le moment d'aimer, de kiffer. Allez, c'est parti. On relâche tout. Hop. Ah. Pourquoi ça ne joue pas? Pourquoi mon Bluetooth ne joue pas? C'est bizarre ça. Alors, ah, voilà. C'est parce qu'il y avait un autre de connecté. Donc, c'est parti. Alors, je vais mettre... Au final, je suis en train de me dire, je vais changer, pardon. Hop, vous voyez mes fesses, je m'excuse. Je vais juste changer le tapis de position. Ce sera plus sympa que vous voyez ma tête, je pense, quand même. Hop, ma musique, vous êtes là. Et c'est parti. Donc, oh, je suis un peu toquée. Il est mal mis mon tapis, on y va. On commence par une grande inspiration. Ok, et on enroule tout doucement. On avance, on pose les mains au sol. Talons pareil au sol. Le dos est droit et aligné. On est ici, on étire les mollets. Le dos est bien droit. On inspire et on expire. Ok. On va plier notre jambe droite. Je lève la tête pour que vous puissiez voir. Je plie ma jambe droite. Je lève mon bras gauche vers le ciel. Et on reste. On inspire. On expire. Et on revient. On switch de jambe. On plie la jambe gauche. Et on ouvre avec le bras droit. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux derrière. J'adore la campagne. On inspire et on expire. Encore. Ok. On revient devant. On pousse les talons au sol. On revient en avant, planche. Hop. Et on garde la tête dans le prolongement du corps pour être bien en planche. Vous descendez sur vos avant-bras. On en profite pour se gainer un peu, bien évidemment. Et on remonte. On descend tout doucement, on pompe et on relève le haut du corps. Très bien, et on reste ici. Ah, on relâche la nuque. Très bien, on vient en arrière, en position papier cadeau. Tous en train de parler de ma tenue. Ok, très bien. On revient, on pose nos talons au sol, on retourne dans cette position. Hop. On rapproche un petit peu les pieds pour étirer un peu plus. Ok, maintenant on va lever la jambe droite. On l'amène doucement vers la poitrine et on vient la poser devant. Hop. On lève nos mains au plafond. Ok. Vous allez redescendre vos bras. Vous allez les amener en arrière comme ça, en mode avion. Et on pousse le talon arrière dans le sol. Super.
Maintenant, vous allez pousser, hop, et vous allez vous servir de votre jambe droite, d'appui ici, ok? Votre jambe gauche élevée. Vous descendez doucement, et vous posez les mains au sol, ok? Votre jambe gauche élevée, vous allez l'amener, la croiser derrière votre jambe droite. Et vous continuez, on lève, et on ramène. On fait ça 8 fois, 3, 4, 5, on tend la jambe de sol à chaque fois, 6, allez, plus que 2, 7, et 8, on ramène les deux, on plie, on déroule, et on enroule à nouveau. Les deux jambes, on descend en arrière et talons dans le sol, downward dog. Les talons sont bien dans le sol, on rapproche un peu les pieds pour bien étirer. Attention à avoir un dos bien droit. Maintenant, on va lever notre jambe gauche. Alors pareil, n'ouvrez pas le bassin ici, gardez le bassin bien parallèle. C'est pas très grave si vous montez pas loin, ok? Ramenez votre genou en avant, hop! On pose la jambe et on remonte. On va lever nos deux bras au plafond. Super! Ok, on va redescendre en mode avion. Je décolle Air France. Même chose, on va prendre appui sur notre jambe gauche, on décolle la jambe droite. Hop, tout doucement. On amène nos bras vers l'avant, ici, et on lève notre jambe droite. On croise. Relâche la nuque. Deux. Faites-le à votre rythme surtout. Si vous ne pouvez pas lever la jambe, ce n'est pas grave. Vous pouvez la laisser ici. 3. Mais c'est la jambe de terre surtout qui doit être tendue, ok? 4. 5. 6. 7. Et dernier. Et 8. On plie les jambes. On déroule tranquillement. Ok, parfait, super. Très bien. Alors ça, c'était la partie un peu plus compliquée, ok? Je sais, je l'ai mis au début parce qu'après, comme ça, on va pouvoir se relâcher. Maintenant, vont venir les quelques exercices qui sont un peu plus dansés, mais vous allez voir, c'est juste une chanson. Et après ça, c'est terminé. Hop! Allez, hop. On va tout simplement enchaîner 2 8 de pliés. Je lis vos messages rapidement. J'ai un bug. Ok, super. Bon, très bien. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reste plié. Maintenant, on lève les talons. 1, 2, 3, 4, ça c'est pour travailler les mollets. 5, 6, 7, 8, plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relève. On vient un peu plus large, en seconde. Pareil, on descend en plié, on pulse. 8, 2, 3, 4, ouvre les bras. 5, 6, 7, 8, plus que 8, 7, 6, range le bassin. 5, 4, 3,
2, 1. On va décoller les talons. 1. Pareil que tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lève les bras. 8, 7, 6, 5. Je ne vous avais pas dit, vous n'alliez pas transpirer. 4, 3, 2, 1. Grand plié. On ramène les deux jambes. Lève les bras, inspire. Expire, on redescend en angle. Encore. Et on descend. Encore, inspire. Super. Maintenant, on va se mettre au sol, tranquillement, en tailleur. C'est le moment où on relâche. On va vraiment pouvoir s'étirer tranquillement. Ok, mettez-vous en tailleur, une position confortable. Ok, là, je vais tout simplement vous demander, pendant une minute, d'inspirer et d'expirer consciemment. Ok, on inspire, par le nez, on gonfle le ventre, la poitrine, et quand on relâche, c'est par la bouche. Ok, on ferme les yeux et on y va. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Ces idées. À chaque fois qu'on souffle, toutes les ondes négatives, elles sortent. Toutes les choses que vous avez accumulées depuis le début du confinement, à chaque souffle, vous lâchez tout. Relâchez tout ce qui vous a contrarié. Et on inspire. À la dernière fois, on lâche tout. Très bien, on ouvre les yeux et on va doucement faire des cercles avec la tête qui commence à descendre et on tourne à droite très doucement. On sent le cou qui s'étire sur notre gauche, tête en arrière, on passe à gauche et en avant. On va faire 4 cercles en tout. Allez-y à votre rythme, mais tout doucement. Sentez l'étirement dans chaque muscle. Votre tête est super lourde. Dernier tour. Ok, on ouvre les yeux. On tourne la tête à droite. Et à gauche. Et à droite. Centre, baisse la tête et cette fois-ci on part vers la gauche. 4 tours, très lent, relâchez tout.
On continue encore deux tours. Et dernier tour. Ok, super. On relâche les épaules en arrière. Est-ce que tout va bien? Yes. En avant les épaules. Alors, s'il y a de la pluie chez vous, essayez d'utiliser ça comme son arrière de yoga pour se détendre, justement. Comme si c'était une touche qui vous tombait dessus. Alors, c'est parti, on lève les épaules. Et on relâche tout. Et quand on relâche, vraiment, on relâche tout. Et vous sentez toute votre énergie qui sort au bout de vos doigts, ok? Hop, on lève les épaules, on lève les épaules. Et relâche. Encore. Lève les épaules. Relâche. Dernier. Hop. Relâche. Ok. Très bien. La tête un peu de droite à gauche. Moi, j'ai les enfants qui courent et crient. Bon, on essaye au maximum de faire abstraction. C'est parti. On va se mettre sur notre dos. Ok. On va attraper nos deux jambes ici. Et on décolle le bas du dos. On regarde le plafond. Ok. On va garder notre jambe qui est face à l'écran, la plus proche de l'écran, avec le genou contre la poitrine. Et on va étirer l'autre jambe. On amène au maximum la jambe avec le genou collé à la poitrine. Ok, maintenant la jambe qui est face à l'écran, elle est vers la, va aller vers l'arrière en angle de 90 degrés. Votre tête va revenir vers l'écran. Parfait. Et on essaie au maximum de coller l'épaule qui est face à l'écran au sol. Pour faire un bon stretch tout le long. Et on reste. Ok. On ramène le genou devant. Amène les deux genoux à la poitrine. Salut Charlotte. Je vois des gens qui se connectent. Ok. On va faire l'opposé maintenant. La jambe qui est devant, on va l'allonger. L'autre, on l'amène vers la poitrine. Ok, le genou, on l'amène devant à 90 degrés. Hop. Et on regarde derrière. Amène les deux genoux vers la poitrine, décolle le bas du dos. Et on revient en avant. On tourne.
droit, les jambes sont tendues. Ok. Notre jambe qui est la plus proche de l'écran, vous allez la lever. Attention, on n'ouvre pas la hanche. On garde les hanches bien parallèles. Ok. Vous allez l'amener vers le coude et on retourne en arrière. Deux. On répète ça quatre fois. Trois. Et quatre. Attention, vous allez amener votre genou devant. Alors, pour ceux qui veulent un bon stretch, vous allez mettre votre jambe à 90 degrés. Si jamais, je change juste là pour que vous puissiez voir, gardez la même jambe devant. Votre jambe, vous pouvez la mettre à 90 degrés ici. Si ça tire trop, vous pouvez ramener le pied ici, ok? Donc, on était sur l'autre jambe, restez sur l'autre jambe. Hop! Et ici, vous allez bien mettre vos hanches parallèles au sol, ok? Et vous allez vous allonger en avant. Restez ici, je vous mets là pour que je puisse vous lire. J'ai ma fille qui répète ses chorés de hip-hop à côté de moi. On a tous des maisons assez animées, c'est pour ça que j'ai pas Zoro avec moi. Allez, les bras en avant. Voilà, c'est la jambe arrière qui va lever. Et on vient devant quatre fois. Attention, bien garder les hanches parallèles, on n'ouvre pas. Deux. Trois. Et quatre, même chose, on amène notre jambe devant ici. Si ça stretche trop, vous pouvez garder votre pied proche. Et donc, comme je montrais tout à l'heure, les autres, vous pouvez l'amener un peu plus devant pour avoir un vrai stretch. Attention à bien garder les hanches parallèles. J'ai plus de place. Et on vient chercher devant. Allez, on reste là, on inspire, on expire. Ok. On va chercher encore un peu plus loin. Parfait. On remonte les mains. On ramène nos pieds derrière. Les mains sont en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va faire un dos rond. Dos plat. Dos rond. Dos plat. Dos rond. Dos plat. On va lever et on redescend. On va faire ça 2 × 8. Lève. 2. 3. 4. 5. Sept,
sol, on saute en avant, les genoux sont pliés, on déroule vertèbre par vertèbre, tout doucement. Ok, lève les bras, regarde le ciel et va en arrière. Reviens, inspire et redescend. Ok, on pose les mains au sol, on relâche le haut de la tête. Le pied, le genou de devant, pardon, va être plié. Et on reste ici. Allez, on étire au max. Change de jambe. Relâche la tête. Plie les deux genoux. Déroule tranquillement. Ok. On garde la tête dans l'eau. Et on s'installe tranquillement sur le tapis. Je me mets face à vous. On a presque terminé, les amis. On tend nos deux pieds. Oui, je sais, ils ne sont pas très beaux, mes pieds. Mais c'est pas grave. On va faire genre, on ne sait pas. Alors, là, comme d'habitude, si vous pouvez vous attraper vos orteils, ok? Si vous ne pouvez pas, gardez le dos bien droit, levez les bras et allez au maximum. Si ça, c'est votre maximum, c'est pas très grave. Tant que vous gardez vos dos plat ici et que vous avancez autant que vous pouvez, ok? On garde les jambes bien tendues surtout. Pour ceux, celles qui peuvent, attraper ici vos pointes de pied et on décolle. On décolle les talons, ok? Avec votre bras arrière, vous allez attraper la jambe opposée, vous levez et vous ouvrez. Très bien, on ramène la jambe, on attrape l'autre jambe. Et on switch de l'autre côté. Très bien, on relâche. On ramène nos pieds ensemble. Hop, on déroule. Inspiration. Trois. Deux. Et dernière. Petite séance de stretching, danse, yoga. Alors, je vous ramène avec moi devant pour être un peu plus proche. J'espère que cette séance vous a plu. Ça avait l'air d'être assez animé dans vos maisons et appartements respectifs. entre les filles qui répètent du hip-hop à côté, j'ai eu plein de choses qui se passaient. La pluie également. Bon. Est-ce que ça vous a plu? C'était notre dernier jour du Confinement Program. Woup woup! Merci, merci pour vos messages. Oui, c'est déjà terminé, c'était 30 minutes aujourd'hui. Alors, merci à tous ceux qui ont été là pour le dernier jour, ça me fait tellement plaisir.
Vous me manquez déjà aussi, très sincèrement. C'est ce que je disais hier à Chris. J'ai dit, oh, j'ai pas envie que ça s'arrête. Ça va me manquer de les voir tous les jours. Mais je compte sur vous pour être là tous les jours sur mes réseaux. Je vais continuer à également mettre des vidéos en ligne sur YouTube. J'essaie de créer un espace un peu plus sympa que là, parce que là, à chaque fois, je pousse tous les meubles un peu à droite et à gauche. Ouais, Clément, ce moment émotion, je préfère pas trop en parler puisque je suis émotive, n'est-ce pas? Donc si ça vous a plu cette séance, encore une fois, s'il vous plaît, likez ci-dessous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, parce que très prochainement, je vais faire toute une série de vidéos. Merci beaucoup Léonie, merci, merci. Ouais, vive les M-Fit Cœur, Sabrina. Mais vous aussi, vous allez manquer, mais j'espère que vous allez rester présente avec moi, parce que je vais continuer bien évidemment là-dessus dans ma lancée sport, bien-être, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît. Et ça a l'air de vous plaire aussi. Ludivine a eu une séance tout en douceur avec ses deux chats, bravo. Vive les Happy Girls, vive la team Tomate, je suis super super heureuse vraiment de vous avoir, qu'on ait créé cette petite communauté. Alors comme je vous ai dit hier, il y en a plusieurs qui ont eu l'idée de créer un groupe Facebook. Effectivement, c'est une très bonne idée que je vais créer incessamment sous peu. Je comptais le faire en live avec vous. Est-ce qu'à votre avis, à votre avis, c'est mieux que je fasse un groupe ou une page? Dites-moi tout. Mais oui, mais les chocolats, les abdos, les tomates, vous inquiétez pas, je vais continuer à poster sur mon Instagram. Également, je vais essayer justement d'utiliser la page Facebook pour faire ça un peu plus. Super Isaline, merci beaucoup. Vive les M-Fit Girls Power! Yes, yes! Merci à vous, merci à vous. Je vais vous envoyer donc un dernier mail pour ce programme en vous rappelant, s'il vous plaît, tous ceux qui ont fait ce programme, de faire une petite donation pour la Fondation des Femmes. J'ai vu qu'hier, il y en avait pas mal qui l'avaient fait. Merci, merci beaucoup. C'est pour cela que j'ai fait ce programme. Je vous remettrai le lien dans la newsletter de toute façon. D'autre part, je vous dirai également comment ça va s'enchaîner, quel jour vous allez pouvoir avoir quel programme. Yes, exactement. Un groupe, c'est mieux qu'une page, vous pensez, sur Facebook? Un groupe, c'est mieux qu'une page. Alors, plutôt page. Ok, alors... Alors, un groupe, c'est quoi la différence entre un groupe et une page? Dites-moi tout. Je suis sur mon Facebook, là, je vais essayer Create a Group. Vous pensez que les groupes, c'est mieux? Alors, je voudrais faire un don, mais pas possible, car j'ai pas de visa. Moi, je ne sais pas la différence, comment on envoie les photos avant-après. Alors, pour le concours avant-après, effectivement, donc on va avoir plusieurs prix, n'est-ce pas, qui est soutenu par les Poulettes Fitness et autre chose par moi. Pareil, ce sera dans le mail que vous allez recevoir demain. En gros, il faudra poster donc votre photo sur votre compte Instagram, la photo avant-après, en taguant Emmanuel Berne, hashtag le challenge, bien évidemment. Le groupe, c'est privé, la page, n'importe qui peut aller dessus. D'accord, c'est au niveau de la confidentialité, groupe et sécurité. Ok, alors formons un groupe dans ce cas-là, les amis. C'est parfait, c'est parti. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que j'accepte tout le monde? Alors, name your group. On va appeler ça Aime ton corps. Add some people. Ça, je ne peux pas. Alors, on va le mettre en public. Visible, n'importe qui peut trouver ça. Je suis en train de créer le groupe en live. Ok. Alors, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Je lis en même temps un groupe, c'est mieux. Tout le monde partager ses astuces dans un groupe. Le groupe, c'est privé. Un groupe, c'est au niveau de la confidentialité. Super. Heureusement que vous êtes là. C'est généreux de ta part. C'est court. Merci, Marie-Aimée. Groupe, c'est mieux. Pour un groupe, tu dois valider les membres, pas pour la page. Plutôt page. Et aussi pour interagir ensemble. Groupe, c'est mieux car tu dois accepter. Sinon, on fait un groupe public pour le moment et tu le mets en privé après. Mais le avant-après, on le met en story ou sur notre page. Alors, Bérénice, pour le avant-après, effectivement, il faudra le mettre sur la page et me taguer dessus afin que je puisse le voir. Sur ta page principale Instagram, tout simplement. Envoyez-les-moi aussi en privé. Mais toutes les instructions, vous les recevrez dans le mail demain pour toutes les photos avant-après. Merci parce que j'en ai déjà reçu pas mal. C'est incroyable, vous êtes incroyable, ça me touche tellement. Tous vos messages, toutes vos photos, ça me donne vraiment envie de continuer également avec vous. Donc voilà. Alors, ça y est, j'ai créé le groupe Les Amis. Alors, est-ce que je peux le mettre? Telle est la question. Est-ce que je peux vous mettre ici un lien?
Alors, ce qui serait top, donc je viens de créer le groupe, c'est que chacune qui rejoint le groupe, si vous pouvez vous présenter en 2-3 mots, votre prénom, ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes là. Et voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc, ce serait absolument super. En publication, avant, après, oui, ce sera en publication. Alors, le nom, c'est Aime ton corps, comme la chaîne, M majuscule T-O-N-C-O-R-S. Alors, attendez, je vais voir si je peux écrire sur... Parce que, est-ce que je peux directement écrire sur mon live? Vous le savez, actuellement en live. Alors, est-ce que je peux écrire quelque chose? Oui, je pense que oui. Bienvenue dans le chat. Voilà. Donc, le groupe, c'est Aime ton corps. Hop, je viens de vous le mettre. C'est magique, la technologie, vous le savez. Je le découvre toujours avec vous. Étant donné que c'est notre dernier jour, je passe un peu plus de temps. Et je vous mets le groupe ici. Hop, tac. Alors, mais par contre, j'ai l'impression qu'il faut que j'accepte. Ask to join. Ah oui, donc c'est ça, donc il faut que j'accepte. Mince. Alors, comment je fais? Approve all. Bon là, je vois qu'il y en a déjà 15 qui se sont inscrites. Hop, je vous ai toutes inscrites. On va mettre une photo de la team Tomate. Donc, pour le moment, ça, le groupe ne ressemble à rien, étant donné qu'on est en train de le créer ensemble. J'adore qu'on fasse ça ensemble. Mais on va donc le personnaliser tous ensemble. On va essayer de faire un petit truc sympa. C'est mon premier groupe, les amis. Vous voyez, grâce à vous. Ali, la première, on doit venir trouver. Il faut qu'il nous accepte. C'est ça, exactement. Il faut que je vous accepte. Et vous savez quoi, ce que je trouve absolument génial, c'est que le dernier jour, je me rends compte que je peux vous écrire en live sur le chat. Mais ce sera très bien pour les prochains lives qui vont venir. Alors, hop. Et je vais voir s'il y a moyen d'avoir des ajouts automatisés pour que je vous accepte tous. Parce que je vois, voilà, 32 demandes en plus. Hop, confirmé, j'espère que ça fonctionne. Confirmé, dites-moi que ça fonctionne. Pas encore accepté. Ah bon, pas encore accepté? Là, il me marque 0 demande. Donc, je pense que j'ai tout fait. Ok. Oui, voilà. Donc, ce que j'aimerais dans ce groupe, s'il vous plaît, prenez le temps. Si vous avez vos photos avant, après, bien évidemment, mettez-les pour vous présenter. Ce serait génial. L'idée derrière tout ça, derrière Aime ton corps, c'est tout simplement de se dire que ben, on a chacune un corps différent. On doit l'aimer et l'accepter parce que ben, tout le monde a ses points forts, tout le monde a ses points faibles. Moi, perso, voilà, j'ai des cuisses qui prennent plus rapidement. Mais j'ai une taille fine. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un peu plus de ventre, mais des jambes ultra fuselées et super longues. Donc chacun a son corps et chacun doit l'accepter. Et le but de ça, c'est simplement de se sentir mieux dans son corps. C'est pas de lire les kilos. Je préfère vraiment mesurer les centimètres simplement parce que c'est motivant. Mais il faut s'arrêter avec les chiffres. Ce qui est important, c'est comment vous vous sentez vous-même. Et je vous avoue que j'ai arrêté de me peser au début de ce programme, mais je me rends compte dans mes vêtements que je me sens mieux. Et c'est ça qui est dingue, c'est la première fois de ma vie que je ne me pèse pas quotidiennement parce que j'ai une petite obsession dans ce. Je pense qu'on a tous un peu des problèmes avec ça. Mais peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez que j'en parle un peu plus. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment de s'accepter, de s'aimer tel qu'on est. Et voilà, tout simplement, utiliser cette communauté pour grandir ensemble, nous, se nourrir ensemble de bonnes choses positives. On a tous le droit de craquer de temps en temps parce qu'on passe tous par là. Je suis pas mal de fit girls sur Instagram, tout ça. Elles ont toutes un peu le même discours, tout va super bien, elles sont toutes en super shape. Faut arrêter, on a tous nos défauts. Et tant mieux parce qu'au final, c'est ça qui compte. C'est d'être différent et pas d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre parce que la place est déjà prise, n'est-ce pas? Alors, vous êtes plusieurs, merci pour tous ces messages et conseils. Moi, l'avantage, tout prend, ventre, cuisse, etc. Je viens de rejoindre le groupe, merci, tu as été incroyable. Merci à vous, vous savez pas, vraiment, vous imaginez pas à quel point ça a compté pour moi. Vous m'avez motivée, mais à un point incroyable. Je reste là pour vous, je vais faire un maximum de choses pour être là au quotidien avec vous. Je vous partage donc la newsletter demain avec toutes les infos. Et j'ai hâte de voir toutes vos présentations différentes sur ce groupe. Je viens de voir que j'ai eu d'autres demandes. Hop,
Voilà, j'essaye de vous accepter au max. Je vais essayer de faire vivre ce groupe au maximum. Ça va faire partie de mes priorités de ce confinement également. Merci. Oh, merci. Merci, Chloé et Adriana. C'est très, très gentil. Ça me touche. Elle m'a dit, on t'aime, Emma. Merci, merci. Tu as changé un bout de notre vie. Vous êtes adorables. Tu as changé ma vision de mon corps. J'en reviens toujours pas. Je t'adore. Merci, merci, merci. Ça fait super plaisir de vous lire. Donc, encore une fois, ben merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je vais vraiment avoir besoin de vous parce que je veux continuer à créer des programmes pour vous et je veux qu'ils soient adaptés à votre demande. Donc, envoyez-moi par message privé si vous voulez les séances que vous avez préférées là-dedans. Je vais également demain dans la newsletter vous envoyer un quiz, enfin pas un quiz pardon, simplement un questionnaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous auriez aimé faire en plus ou des idées que vous avez voilà, pour rendre tout ce programme Aime ton corps encore plus sympathique. Donc tout est bien évidemment la bienvenue s'il vous plaît, si vous avez le temps de le remplir demain ce serait absolument génial. Et voilà, donc il y aura ça, il y aura le programme qui vient. Je vais bientôt faire un live sur une autre marque qui j'espère va vous plaire, mais je le mettrai aussi dans une de mes newsletters. Quoi d'autre? Le challenge bien évidemment avant après pour gagner des prix avec les poulettes fitness. Vous allez voir les prix dans le mail. Et après, quoi d'autre? Voilà, la Fondation des Femmes à ne pas oublier parce que c'est pour cela que j'ai créé ce programme spécial confinement. Mais tout ça, je vous mettrai en rappel dans la newsletter. Merci à vous. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. Ce n'est pas un au revoir, c'est enfin si un au revoir très prochainement. Pendant mon anniversaire, je vais être un peu off, je pense, le 1er mai, n'est-ce pas? Mais après ça, le lundi après mon anniversaire, tout reprend à fond. Et d'ici là, je continuerai des posts sur Instagram, bien évidemment, avec des exercices pour vous, des idées, des inspirations, des recettes, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, mais je vous dévoile tout au fur et à mesure. Et je vous adore. Merci les MFit Girls, merci la Team Tomate. Et voilà, taguez-moi, mettez-moi vos vidéos avec vos musiques en accéléré, les photos. Je vous fais un gros bisou. Je vous fais un hug massif. Voilà, hug, big, big hug. Et je vous dis à très très vite. Merci d'avoir été là jusqu'au bout.